Salut à toutes et à toutes, c'est KayloBHD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur BO1. Ça sera l'avant-dernière vidéo que je ferai. La dernière ça sera sur MW2, donc il me restera plus que ça à poster. Donc après je n'aurai plus de mode à vous présenter, sauf si vous en avez d'autres bien sûr à me proposer, que je testerai avec plaisir. Si c'est des bons modes bien sûr. Après c'est seulement par JTAG ou Ouais, donc JTAG, on va dire le plus c'est JTAG parce que voilà, maintenant j'ai plus d'Xbox normale, donc tester des trucs avec des autres. Enfin, tester des trucs avec la Xbox en ligne, vaut mieux tester ça que la Xbox en ligne et non pas que la JTAG en ligne parce que sinon ça fait perdre du temps à la JTAG en ligne et voilà quand on paye pas non plus pour faire juste des tutos ou des trucs comme ça. Bon, après, si le mode est bien, et je dis pas non, mais après voilà, faudra que le mode soit bien. Voilà, donc là c'était juste une partie en zombie modé, donc c'est juste du zombie modé, hein. Il n'y a pas de mode menu. Il n'y a pas de mode menu, donc je tiens à le dire quand même. Vous voyez, il y a l'argent qui est monté, donc vous voyez, il y a déjà tout, je crois. Voilà, donc c'est déjà pas mal. On va dire, il y a ça, il y a le God Mode, il y a le Super Jump. Il y a les munitions illimitées aussi, je crois. Il y a quoi d'autre? Et je crois que c'est à peu près tout. On va dire c'est déjà pas mal. C'est pas un mode menu. Mais c'est un mode. C'est avec un tool. Comme je vous avais fait la présentation d'un tool. Enfin, le fonctionnement d'un tool. Vous avez déjà cette vidéo-là. Après, j'ai dit comme j'ai dit sur les précédentes vidéos. Enfin, sur la précédente vidéo fonctionnement d'un tool. Sur cette vidéo-là, je vous ai dit que je vous ferai une deuxième vidéo, mais c'est seulement si j'arrive à bien faire la vidéo, à bien cadrer tout ça, et filmer deux écrans sur un seul. Là, à ce moment-là, c'était le V2. Après, je suis passé au V3, et maintenant, je suis au V4. Et si ce week-end, vous ne me voyez pas connecté au V4, essayez de m'ajouter sur le V5. Si vous testez avec le V4 et que vous voyez avec le V4, je me connecte pas, c'est soit j'ai pas pu me connecter. Ou soit soit j'ai été banni. Voilà. Si vous ne me voyez pas connecté, au pire essayez de m'ajouter sur V5. Si vous voyez que V5 n'existe pas, ne l'ajoutez pas quoi. Voilà. Je vous ai dit de ne pas m'ajouter si vous ne voyez pas le compte, si vous ne voyez pas connecté. Je tiens à dire aussi à des personnes, j'ai déjà fait de lobby à deux ou trois personnes justement. Et ils carottent les personnes. Ce que je ferai maintenant, c'est que à chaque fois qu'une personne me viendra me voir et qui voudra un lobby, je regarderai son profil bien évidemment. Et si comment dire, si elle fait des. On va dire des choses. On va dire genre je lui fais le lobby et après elle fait genre qu'elle fait des lobbies. Et qu'elle se fait payer, voilà. En gros, je mettrai une vidéo sur YouTube pour vous dire de ne pas aller voir cette personne-là, car elle ne fait pas de lobby et elle carotte des personnes. Voilà. J'ai déjà vu ça avec une personne. Elle m'a dit non, 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 t'inquiète pas, je carotte personne. Voilà. Je te jure sur la vie de ma mère. Les gens jurent sur la vie de leur mère, alors que voilà, alors qu'ils carottent les personnes. Voilà quoi. Ça sert à rien de jurer sur votre mère, quoi. Si vous y tenez pas. Tu es là, je sais pas, faites quelque chose, mais voilà. Faites pas non plus un truc que vous dites que vous ferez pas, quoi. Il y aura une vidéo qui va sortir très prochainement. Mais avec des gens qui disaient qu'ils faisaient pas de lobby. Je les ai justement, j'ai commencé à les filmer. Je les posterai sur ma chaîne. Si vous voulez, comment dire, les ajouter en ami pour leur mettre des plaintes ou des choses comme ça, ou faire style que vous voulez un lobby, que voilà quoi, et que vous voulez confirmer la chose, voilà, au pire vous irez. Et voilà quoi, j'espère qu'ils carottent personne en ce moment, et que voilà quoi, que personne ne se fait carotte. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Ah ouais, ça fait quand même. Ah ouais, 13 minutes de vidéo quand même. Ah ouais, j'avais pas vu tant. Ah ouais, d'accord. J'avais pas eu autant de temps dans la vidéo. 5 minutes. Ouais. Après, je sais plus trop quoi vous dire. À part que ce week-end, j'aurai la JTAG en ligne. De vendredi à dimanche. Je pense de vendredi à dimanche. Si je suis pas connecté vendredi, je serai connecté samedi à dimanche. Après, je vous mettrai sûrement mon PSN, hein, pour ceux qui veulent jouer sur PS3 avec moi. Je joue à
tout style de jeu, hein, comme GTA V, Dirt 3, il y a Dirt Showdown, il y a quoi d'autre? Il y a Battlefield 3, il y a FIFA 13, après il y a encore de nombreux jeux. Hein. Après il y a Call of Juarez, celui-là je crois pas qu'il joue en ligne, mais malheureusement justement, donc celui-là je vais me le prendre. Et je vais prendre aussi un petit Real Steel, je pense. Ou celui-là on verra peut-être le mois prochain, donc voilà. Donc voilà, donc je vais pas vous raconter ma vie non plus, donc bon bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser en musique, hein, donc pas non plus tout seul. Et bah n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner et à la partager sur Facebook si ça vous fait plaisir, bien sûr. Donc voilà. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Voilà. Ciao tout le monde. Go on, go on, go on, go on, go on.